Cet espace de coworking dans le bâtiment Sunshine 100 est le premier construit par YouCommune lors de la création de l'entreprise en 2015. Le premier étage est un espace public où tout le monde dans le bâtiment peut s'asseoir, lire, travailler ou étudier. La zone incarne le thème du coworking, une communauté plutôt qu'un simple bureau. La zone principale est souterraine, moderne et chic. Les entreprises travaillent dans les espaces ouverts au lieu de chambres. Cet espace contient 4 entreprises, dont ce patron et ses employés. Auparavant, je travaillais dans des immeubles de bureaux, c'était plus clos. Ici, c'est ouvert. Il y a de nombreux espaces de partage qui offrent à notre start-up un bon endroit et des opportunités pour communiquer. Zhao Gongchuan dirige une entreprise spécialisée dans la gestion numérique des grues et préfère travailler dans une zone plus petite. L'espace public est très confortable, ce qui est assez différent des immeubles de bureaux ordinaires. Un espace de coworking signifie que la plupart des installations sont partagées, aire de repos, salle à manger et même salle de réunion. Le docteur Mao Taqing a quitté ses fonctions de vice-PDG de Wankhe en 2015 pour créer YouCommune. Et il a déclaré que les espaces de travail devraient évoluer avec les nouvelles générations. Les espaces de travail sont plus variés qu'avant. Ils vont au-delà des besoins antérieurs des gens pour un bureau. Les gens vont socialiser, vivre leur vie et non simplement travailler. Aujourd'hui, les espaces de coworking sont plus familiaux, que ce soit dans l'éclairage, les couleurs ou les matériaux. Il y a des cuisines dans le bureau, un coin lecture, un café, etc. C'est plutôt une combinaison de tout ça. Ce café lecture est un endroit populaire de YouCommune. Les utilisateurs peuvent y travailler ou se détendre. Il accueille également des événements locaux.